Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'arrive pas à bien cadrer, donc voilà. Alors, ce matin, il est 8h30, je viens de déposer mon pneu de quad que j'ai crevé hier matin. Donc, il sera prêt en début d'après-midi. Et en attendant, on va aller à l'écurie, on va rejoindre Thomas et Sophie, puisqu'on va aller faire une petite balade à cheval. Et puis voilà, après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire un petit tour à la déchetterie, parce qu'on a des trucs à aller... Allez jeter, de toute façon, c'est le principe de la déchetterie. Et puis faire un petit peu propre l'écurie, puisque ce soir on a prévu avec les cavaliers, etc., le propriétaire de l'écurie, un petit apéro. Voilà. Bon, bah écoutez, à tout de suite quand j'arrive à l'écurie. C'est bon, c'est bien, tu les vois. Hein. C'est pratique. Ouais, ils ont touché au foin, tu sais pas. Si, ils ont mangé un peu. Voilà, allez, viens, mon loulou, c'est bien. Là, t'es réveillé. Oui, il est réveillé là. Ouais, motif, j'adore quand elle fait ça. Je pense que. Tu fais ça ce matin ? Bah oui, en réveillant, j'ai vu ça. Et en couchant. Bah, moi, je fais sur un documentaire sur la cuisine. Sympa. C'est autre chose, hein. Chacun son délire après, hein. Modèle au niveau des bêtises. Elle est cachée, on voit même pas sa tête. Non, elle est cachée dans l'ombre d'Oasis. Alors on est en train de faire des paddocks, d'enlever le pépé ici et de faire trois paddocks parce que je pense qu'on l'utilisera plus l'autre côté, c'est déjà très bien. On fait trois paddocks là. Et là, les propriétaires sont en train de remettre le mur propre. Je t'en prie. Petite réserve le grain. Non, on laisse les vieux porter quoi, c'est quoi ça? C'est quoi ce respect là? Le pneu est réparé. Bon, du coup on a fait les courses, on a fait les clôtures, on a tout rangé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Thomas? L'eau? On a rempli l'eau. On a rempli l'eau. Et là on emmène papy au pré pour ramener casting et paddy parce que je les monte en ce moment et franchement souvent j'ai la flemme de descendre. Comme ça ils seront sur place et de toute façon il y a de l'herbe nulle part, ils sont tous au foin. Donc ça change rien. Papy va être content d'aller au pré. Coucou. Ben, sois pas trop content paddy parce que tu remontes à l'écurie. On va choper, je sais pas, un des deux avant. Sinon ils vont aller galoper partout. C'est qui Lui, le premier là. Dégoûté un peu. Attends, vous nous emmenez un coup là. Allez, on y va. Alors on a les deux petits loups qui sont prêts à aller en balade, je sais pas, dans la semaine, demain peut-être. Elle sait que tu la surveilles. Ouais, non, c'est plus très drôle en fait. Faut qu'ils reviennent au Land, il y aura la pluie pendant 5 années. Bah oui, ils vont par là, c'est ça qu'on a ouvert. Il y a parking vélo, parking poney et parking apéro. On va être vite à l'ombre. C'est l'instant que t'as à 5 km j'ai jamais coupé en Wally. Mais surtout, moi, mon téléphone il est là au niveau de la cuisse avec le pantalon. Bonsoir. Coucou. Salut. Oula, ma voix. Alors on se retrouve le lendemain, je vous ai filmé un petit peu la journée d'hier, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses donc j'ai pas filmé non plus énormément, donc voilà. Là j'arrive à l'écurie, je vais aller voir les trois loulous qu'on a ramenés hier, mes petits chats. Salut les loulous! Comment c'est? Passez une bonne nuit! Et en fait, on a enlevé le pépé ici et on a fait trois paddocks. Je vous montrerai mieux plus tard. Oh, dis donc. Et ici, dans le pépé des poneys, le pépé en fait qui est ici, maintenant il n'y en a plus qu'un, on a donné l'accès aux chevaux, enfin au troupeau d'ici. On a mis l'eau ici. Et on leur a donné accès du coup à cet endroit-là avec l'arbre.
Et hop, il va falloir que je mette des poignées mieux, enfin que j'attache mieux les poignées. Et bah, ils ont accès derrière aussi. Et on met le foin derrière, comme ça il y a vachement de déplacement. Voilà, ils sont là. On a ouvert un peu ici aussi. Ils ont encore beaucoup de foin. Et on voit en bas les autres loulous. Du coup là ils sont trois. Bilbo, Heidi et Oasis. En bas ils sont quatre, donc Hérisson, Kinette, Kinox et Couronne, que je vois aussi également. Ok. Et dans l'autre paddock. Bonjour ma fille. Et dans l'autre paddock, il y a Paddy, Nono, Casting. Du coup j'ai ramené Paddy, Nono et Casting ici parce que de toute façon, peu importe où sont les chevaux, ils sont tous au foin. Avec la sécheresse, il n'y a pas d'herbe. Donc autant que les chevaux qui soient montés et pas en retraite soient à l'écurie au foin. Parce que ça ne change rien qu'ils soient à l'herbe au pré ou ici parce qu'il n'y a pas d'herbe. Voilà. Et ce matin on part en balade donc avec Thomas qui va sûrement prendre Oasis, avec Mila qui va prendre Nono je pense. Et moi je pense que je vais prendre Casting. Voilà. Je vais m'occuper du foin, etc. pour les chevaux et les poneys avant. Et puis voilà, on attend les copains. Mais y en a moins quoi, dis donc. Le poney sauvage. Trois pis. Casting va légèrement plus vite que les autres. Tu leur mets je sais pas combien de mètres dans la gueule là. Fais du bien. Oui, ils sont là. Ah, tu vérifies quand même. Oui. De l'écurie, de la ferme, pas du domaine. Mais oui. T'as vraiment des bugs des fois dans ta tête, Cassine. Il n'y avait plus de marche avant. Dédié à vous. Bon, on est rentré de balade, tout le monde est parti, les chevaux ont eu à manger, etc. J'ai passé un coup de faux sur les fougères qui étaient là. Je vais aller me prendre un petit goûter du matin et après je vais faire l'eau aux chevaux retraités en bas parce qu'ils n'ont plus trop d'eau. Regardez ce que je viens de trouver. Bah là les bébés, mais non, mais venez pas sur la route. Et bah alors, et où? Elle est où maman? Mais alors? Oh non, me dis pas que... Bah oui. Bon, j'ai appelé une asso qui répond pas. J'ai appelé le veto qui en veut pas. Qui me disent d'appeler la police municipale. Mais en fait, je veux pas qu'ils soient euthanasiés. Donc je vais attendre parce que j'ai peur qu'ils soient euthanasiés. Ils sont jeunes. Hein. Ils doivent avoir faim. Ils étaient déjà là hier apparemment... Le facteur m'a dit ça. Bah oui, t'as faim mon bébé, mais j'ai pas de lait. Donc je sais pas. Je peux pas les ramener à l'écurie. Ce serait trop dangereux. Donc bah oui mon bébé. Bon. Donc je vais essayer de me débrouiller. Bon, j'ai une collègue qui arrive, qui est un peu Brigitte Bardot. Viens mon bébé, viens, reste pas tout seul. Viens là. Viens là mon bébé, viens. Reste pas au soleil, on est à l'ombre ici. Viens, viens, viens. Viens mon bébé. Je vais aller le chercher. Vous restez là, les gros. Attends. Hop. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Hop. Allez, un petit chat en plus. Venez, on reste à l'ombre. Venez. Hop. Pardon, désolé pour le cadrage. Voilà, venez là. Venez là. Voilà. C'est bien. Super. Voilà, on reste à l'ombre, là. Bah oui, vous avez faim, vous avez soif, vous avez chaud. Bon, c'est bon. Une amie de ma belle-mère est venue les chercher. Elle va les mettre en sécurité, leur prendre du lait spécial.
Et puis cet après-midi, parce qu'il est 11h30, et en fait l'assaut n'ouvre qu'à 15h. J'ai essayé d'appeler dans le doute, mais non. Donc là, j'ai rempli l'eau des chevaux. Ils sont en sécurité, voilà, elle va leur donner ce qu'il faut. Et puis quand ça ouvre, elle appellera l'assaut. Il y a des canons anti-oiseaux. Je vais mettre l'eau aux chevaux parce qu'il commence à faire chaud quand même, il est temps. Et puis voilà, moi j'étais en quoi, je pouvais rien faire. Bon, c'est bon, ils sont sauvés. Elle me tiendra au courant, je vous tiendrai au courant. Si j'avais pu les prendre, si j'habitais seule, franchement, je les aurais pris. Mais je peux pas, malheureusement. Mais bon, ils sont en sécurité. Voilà, j'ai déposé l'eau au petit loup. Ça coule bien. La bouche. On n'a pas des seringues pour donner aux autres? Juste qu'il lèche, quoi. Allez, ouvre ta bouche. Oh, bébé. Ah, tu penses qu'il aura faim? Bah oui. Combien de temps qu'il aura? Combien tu vas mettre? Autant qu'ils ont faim, je pense. Moi, je veux sortir, moi. Oui, mon bébé, viens avec moi, toi. Ça, t'es mon pote. Deux tétines chat et une tétine chien. Oh là là. Doucement, doucement. Doucement. Bon, voilà, les chatons sont en bas. Ils ont mangé, on leur a acheté du lait ce qu'il fallait. Ils ont fait pipi, on leur a fait faire pipi aussi. C'est bon, dans une demi-heure, on rappelle la dame de l'assaut. Et normalement, ils ont une famille d'accueil, on va pouvoir les emmener tout à l'heure. Donc voilà, ils ont à manger et tout. Et puis, ben écoutez, moi, je vais m'attaquer au montage de la vidéo. Parce que sinon, je serai très en retard sur mon planning. Déjà que du coup, j'ai pris pas mal de retard. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche. À nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui est Instagram. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !